Alors, là, on est sur l'exercice 3 que j'ai donné terminal, c'est une étude de fonction. On a une fonction produit ici, donc 2x moins 1, facteur de e de x moins 1. Donc, cette fonction, elle est définie sur l'ensemble des réels. La première question, c'est de conjecturer à l'aide de la calculatrice les variations de la fonction. Donc, on veut savoir quand est-ce qu'elle est décroissante, puis croissante. Pour ça, on va utiliser la calculatrice, puisqu'on nous demande d'utiliser la calculatrice. Je rentre dans le menu graphique, donc l'équation de x moins 1 facteur 2 exponentielle de x moins 1, et je dessine. Donc là, au mieux, vous avez ce genre de choses, où ici, donc mon repère est défini entre moins 10 et 10, et ici en minimum, moins 10 et en maximum, plus 10. Donc il semblerait ici à la vue de l'écran que ma fonction est strictement croissante puisque j'ai une courbe qui monte, mais là je ne sais pas trop ce qui se passe. On a l'impression qu'elle s'arrête, or c'est une fonction qui est définie sur R, donc ça veut dire que entre moins l'infini et plus l'infini, et là on voit rien du tout ce qui se passe jusqu'à moins 10. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais zoomer à cet endroit-là pour voir ce qui se passe. Donc pour ça j'utilise le zoom box qui s'y prête beaucoup. Donc première chose, box, et vous allez définir le premier coin de votre boîte. Ce box veut dire boîte, c'est-à-dire fenêtre, hein. Tout simplement, vous allez définir donc ce que vous allez voir dans votre fenêtre de votre calculatrice. Donc je remonte un petit peu. Voilà, ça devrait suffire. Je vais encore me décaler sur la gauche. Voilà. Voilà. Entrée. Ça, c'est mon premier coin de ma fenêtre. Donc maintenant, je vais me déplacer vers le bas. Ça devrait suffire. Ensuite, vers la droite pour définir le deuxième coin de ma fenêtre. Voilà. Donc, tout ce qui est dans mon rectangle va apparaître à l'écran. Donc, la mise à l'échelle va se faire toute seule. C'est un peu lent, hein. Voilà, ça devrait suffire. Je vais montrer. Et là, au miracle, on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc ici, on a une courbe qui, lorsque x tend vers moins l'infini, semblerait donc aller vers l'axe des abscisses. Hein. On a vu dans l'écran précédent que la courbe, elle dépassait pas l'axe des abscisses. Donc on peut supposer que l'axe des abscisses ici est asymptote à la courbe. Voilà. Et ici, on a une courbe qui descend. C'est-à-dire que notre fonction est strictement décroissante sur un intervalle donné qui semblerait moins 0,5 à peu près. On atteint un minimum, puis la courbe remonte. Donc, c'est-à-dire que la fonction serait strictement croissante ici, entre à peu près moins 0,5 et plus l'infini. Donc, on va voir un petit peu mieux les choses. Donc, pour l'instant, je peux encore construire mon tableau de variation et commencer à compléter mon tableau de variation. Donc on a dit que la courbe descendait, donc descendait, on va avoir donc une fonction qui est strictement décroissante. Ensuite, on a vu que la courbe montait, elle est strictement croissante. Sur quel intervalle? Pour quelle valeur de x? Donc entre moins l'infini et plus l'infini, puisqu'ici notre fonction est définie sur l'ensemble des réels. Il reste à savoir quand est-ce, à quel moment est atteint le minimum de la fonction, c'est savoir quelle est la valeur de x ici. Donc on avait vu ici que l'axe d'abscisse serait asymptote, que la courbe reste toujours en dessous de l'axe des abscisses, donc des valeurs négatives, mais tendrait vers 0. Et ici, il semblerait que la courbe monte de façon exponentielle, donc vers plus l'infini. Alors, quid du minimum de la fonction? Bah ici, il suffit de demander à la calculatrice un petit gsolve, gsolve, demander le minimum de la fonction, et la calculatrice nous dit que pour x égale moins 0,5, alors que j'ai vu sur les copies plein de 0,5, je ne sais pas pourquoi, mais c'est moins 0,5, donc moins 0,5, ou encore moins 1,5. Donc on a dit que le minimum était environ, si j'arrondis au centième près, environ moins 0,45, puisque ici le millième est un 6. Donc environ égal
à moins 0, 45. Voilà. Donc voilà, grâce à la calculatrice et la courbe obtenue grâce à la calculatrice, le menu GSolve, utilisation du minimum, on peut avoir un tableau qui est assez complet. Restera à définir exactement ce nombre. Voilà pour la première question.